On peut dire que la tournée d'Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, vise prioritairement, de mon observation, également en observant les mutations en cours au cœur du Sahara, du Sahel africain, que c'est pour contrer toute velléité de prise en main du destin africain par les Africains eux-mêmes. Et il y a une forme de volonté de court-circuiter ces dynamiques qui sont portées aujourd'hui par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Antérieurement, c'est aussi cette volonté affirmée par la transition centrafricaine de se réapproprier le destin de leur peuple et de l'orienter vers des partenariats stratégiques plus porteurs, là où le partenariat occidental a enfanté des fruits inespérés. Alors il faut aller vers une nouvelle approche. Cette agression diplomatique entreprise par Anthony Blinken correspond en Angola, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Cap-Vert, au désir, comme le sous-entend Anthony Blinken et les acteurs de la diplomatie américaine, comme une offensive pour repositionner les intérêts américains, sinon du bloc occidental. Sinon, c'est clairement que l'enveloppe, elle a été répétée, c'est la démocratie, c'est la promotion des droits humains, mais on se pose la question banale. Les États-Unis, si attachés à la démocratie et aux droits humains, que fait-elle en sa qualité de sponsor officiel du génocide israélien sur le peuple palestinien? Voilà une question qui interroge les consciences populaires africaines quant à la capacité des États-Unis d'être une démocratie, sinon purement et simplement un film fiction de plus.